Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation des cours de tarot. Je m'appelle Célia Mélesville, je suis artiste, thérapeute et cartomancienne. Je pratique les tarots et les oracles depuis maintenant à peu près 17 ans. Et certains d'entre vous me connaissent peut-être à travers ma chaîne YouTube où je partage depuis quelques années justement autour de cet univers et du développement personnel. Je suis également la créatrice de différents jeux de tarot, d'oracle, de Lenormand, comme vous pouvez le voir derrière moi. Peut-être d'ailleurs que c'est aussi un des axes par lequel vous me connaissez, à travers l'oracle des reflets ou le Tanis Lenormand. Et dernièrement, j'ai créé deux jeux de tarot qui s'appellent le Lily White et le Lily Black Tarot. Et en écrivant les livres d'accompagnement de ces jeux, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à partager et à dire autour du tarot. Ce sont des choses que j'ai pas pu mettre dans le livre puisque ce sont des livres d'accompagnement très spécifiques à ces deux jeux. Donc qui vont parler de la création de ces deux jeux et qui vont axer justement la grille de lecture du jeu en fonction de ce que moi j'ai voulu mettre dans les illustrations. Mais il se trouve que de façon générale, j'avais beaucoup beaucoup de choses à partager, à dire, et j'ai été très frustrée de me limiter justement dans le livre d'accompagnement de ces deux jeux. Et c'est de là qu'est née cette envie justement de vous mettre à disposition des cours de tarot. Des cours de tarot en fait qui vont être, que je souhaite axer autant sur le tarot de Marseille que le tarot Rider-Waite. En fait, ce que je souhaiterais vraiment faire dans ces cours de tarot, c'est vous aider à développer votre intuition et vous aider à comprendre, vous donner toutes les bases en fait du tarot, des tarots, que ce soit Marseille ou Rider, pour qu'à la fin justement de ces cours, vous puissiez prendre n'importe quel jeu de Marseille ou de Rider et avoir les connaissances suffisantes et développer suffisamment votre intuition pour pouvoir lire n'importe quel jeu de tarot. Je pense que l'intuition, et vous allez le voir, c'est aussi là-dessus que j'ai basé ces cours de tarot. Je pense que l'intuition fait partie, est une base, c'est même pas une base en fait, c'est l'un des éléments les plus importants en fait pour réussir un tirage et pour comprendre le message des cartes et le message des tirages. Donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais axer ces formations, ces cours, à savoir avoir les bases suffisantes pour comprendre les significations des cartes. Donc vous retrouverez bien sûr de la théorie sur les significations des cartes, mais également des petits exercices d'intuition pour la développer, comprendre ce qu'est votre intuition, arriver à la comprendre aussi comment elle se joue à l'intérieur de vous, comment vous la ressentez, puisque chacun ressent son intuition de façon différente. Et tout ça, on va en parler justement dans la grande introduction que je vais vous faire. Voilà. J'ai divisé ces cours en deux parties. Vous aurez des cours sur les arcanes majeures, des cours sur les arcanes mineures. Les deux se complètent, c'est-à-dire qu'un jeu de tarot est fait des 22 arcanes majeures, mais également des arcanes mineures. Les arcanes majeures et les arcanes mineures abordent des problématiques ou des thèmes différents. Et l'un n'est pas supérieur à l'autre, c'est juste que c'est un complément en fait. C'est pour avoir une vision globale dans la façon dont vous arpentez le monde aussi, de façon personnelle, spirituelle, mais aussi matérielle, émotionnelle. Et vous allez retrouver tout ça dans la globalité en fait du jeu de tarot. Donc je vous invite forcément à suivre les deux cours, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien vous décider à ne suivre que les cours sur les arcanes majeures et plus tard, si vous le souhaitez, suivre celui sur les arcanes mineures. Voilà, de toute façon, cette formation est complète puisque toutes les vidéos ont été filmées. Vous pouvez donc commencer certaines vidéos à votre rythme et c'est ça qui était très important aussi pour moi, de pouvoir vous proposer un support que vous pourrez suivre à votre rythme, à votre envie, pouvoir revisionner. On va également beaucoup travailler sur l'imagerie, c'est-à-dire que je vais vous montrer des images de différents jeux également pour comparer, pour apprendre justement comment avoir une grille de lecture des jeux. Et c'était très important de pouvoir vous faire ça par vidéo.
Vous pourrez comme ça en plus par la suite revenir dessus, les revisionner. Voilà, donc j'espère que ma méthode vous parlera et vous plaira, qu'elle vous apportera quelque chose en plus si vous êtes déjà pratiquant tarologue. Et que pour les personnes qui débutent le tarot, elle vous apportera toutes les bases nécessaires pour débuter sereinement avec votre jeu. Pour en savoir plus à mon sujet, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche sur la vidéo pour justement me découvrir à travers mon site, mais également à travers ma page YouTube. Je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve donc très bientôt pour la suite des vidéos et des cours.